Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Et ben, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes à nouveau au taquet pour une semaine de live. On a attaqué la semaine dernière. Franchement, on a bien attaqué, donc j'espère que toute l'année, ça va être comme ça. Et aujourd'hui, on continue sur notre lancée avec Jean-Philippe Cabaroc, JP, de son petit nom, ou Cabaroc tout court, tu m'as dit. Comment ouais, ça Cabaroc, va ça va très bien, merci de m'inviter. Bah ouais, du coup, t'es déjà venu l'année dernière, on t'a réinvité. Donc généralement, ça, c'est les gens qu'on aime bien, tu vois, donc c'est plutôt bon signe. Avant d'attaquer, bonjour à tous ceux qui sont en direct sur le chat. Comme vous savez, tous les jours, en direct, si vous regardez les replays, et bah, je vous envoie un bonjour quand même, j'espère que je vous verrai un jour sur le direct. Bonjour à Vanessa, du côté YouTube. Si vous êtes sur YouTube, il y a Alexandre qui va vous partager le lien pour nous rejoindre du côté Behance. Parce que Behance, il y a plein de gens. Franchement, c'est vachement plus sympa. Du coup, sur Behance, bonjour à Delphine, Clara, Diatou, Jamila, Clémentine, Joël, Gérald, Alex, SketchUp Mayo, Franck, Théo, Maric, Virginie. Du coup, plein de têtes habituelles, plein de nouveaux, Ticlenio. Donc, bonjour à tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, bon, on est là. Hein, ou des réflexions. Ou voilà, vous faites partie du live maintenant. Il faut vous habituer, c'est comme ça. Et dites-moi si vous m'entendez bien, parce que j'ai un nouveau micro. Voilà. 2022, on monte en grade. Donc dites-moi si ça marche bien, auquel cas on arrangera ça. Bonjour à Luc, wesh wesh, Rémi qui me dit wesh. Et ben voilà, bah, écoute, c'est à toi, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous rappeler, te présenter en quelques mots, nous rappeler qui tu es et on repartagera le lien vers ton ancien live. Oui, donc je m'appelle Jean-Philippe Cabaroc. Pour me présenter de façon rapide, je suis graphiste. Et pour être un petit peu plus précis, je suis directeur artistique. Et donc, je suis spécialisé, moi, dans la création d'identité visuelle pour les entreprises et avec une orientation illustration. Voilà, j'utilise beaucoup l'illustration dans mon travail pour développer mes identités. Oui, du coup, généralement, on reçoit des gens qui sont... Parfois, soit graphiste, soit illustrateur. Et toi, du coup, tu arrives à mélanger les deux, quoi. Voilà. Je mélange les deux, mais je dirais que je fais plus partie de la famille des graphistes plutôt que de la famille des illustrateurs, dans le sens où moi, je travaille beaucoup dans la communication, ce qui est lié à la stratégie, finalement, pour les entreprises. C'est pour ça que je me définis beaucoup. Ce côté de la balance, même si pour moi l'illustration c'est quelque chose qui est très important aussi dans ce que je propose au travail. Ok, et écoute, je suis curieuse de savoir vraiment la différence, pourquoi tu te définis, tu vois, la différence entre un illustrateur pur et dur et ton travail. Est-ce qu'on regarderait pas ton écran? Tu vois? Allez, alors, ça y est, c'est parti. Tu nous ferais un petit plein écran là, comme ça ce sera plus joli sur le live. Hop! De la fenêtre Chrome. Est-ce que là, c'est bon? Là, je suis plein écran. Là. Voilà, un petit panel de ce que je montre sur mon site internet. Donc, il va y avoir... quand je travaille sur de l'identité, ça peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire que ça peut se décliner sur des sites internet, sur des packagings. Je peux travailler aussi sur des affiches. Et en fait, pourquoi je dis que je fais plus partie de la famille des graphistes que des illustrateurs, c'est parce que, en fait, moi, quand je pense à la famille des illustrateurs, je pense en fait à des projets qui sont un peu plus reliés à de l'édition, à du livre, tout ce qui est magazine aussi. Et en tout cas, il y a une dimension qui est un petit peu plus peur, c'est-à-dire que les illustrateurs. Je pense, on va aussi trouver leur travail dans des galeries, on va aussi vendre leurs œuvres. Donc voilà, c'est
je parle du monde de l'illustration, je pense à ça. Et la partie graphique, donc graphisme, on va être plus associé à un travail de communication qui est un petit peu plus, enfin, qu'on aborde de manière un peu plus globale. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement se dire, bah, je veux une illustration. Le travail, c'est plus, bon, bah, je veux faire parler de ma boîte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Et donc derrière, ça peut être réaliser un site internet, ça peut être faire une vidéo, ça peut être revoir ses packagings. Et finalement, l'illustration vient s'intégrer à ça ou non. Mais c'est pas l'entrée très directe. D'accord. Et du coup, il n'y a pas, t'as pas non plus un seul style d'illustration, contrairement à un illustrateur auteur, comme tu dirais, tu t'adaptes au projet, si je comprends bien. Voilà, alors ça, c'est vrai que c'est un vaste débat, le style. J'ai pas encore trouvé les réponses à toutes ces questions d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, dans mon travail, je suis pas un style que je vais répéter pour chacun de mes clients. Je vais vraiment l'adapter aux besoins, effectivement, de l'identité. Même si forcément, il y a des choses quand même communes dans mon travail d'illustration qu'on va pouvoir retrouver. Et c'est pas forcément un mal non plus, parce que c'est vrai que les clients viennent me voir aussi. Je leur apporte une sensibilité qu'ils ont trouvée dans d'autres projets et qu'ils veulent retrouver aussi pour eux. Carrément. Eh bien, écoute, c'est quoi le programme du jour? Tu nous as prévu des millions de trucs. Alors voilà. Donc je vais Allez. vous présenter trois projets qui sont justement associés à l'illustration et un travail sur tablette en fait, donc de dessin numérique. Et donc ce premier projet, je vais partir du résultat final, je vais vous montrer mon Instagram. Et il s'agit en fait du travail mise en page, de création d'identité pour un livret jeu pour enfants, Musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Donc le résultat final ressemble à ça. Donc on voit qu'on est sur un univers donc assez rétro, on va dire 19e. Ambiance révolution industrielle. Donc ça, c'est l'intérieur. Je vais pas me concentrer sur la mise en page, mais je vais plutôt me concentrer sur la création de ce petit personnage, en fait, Ok. qui est la mascotte du livret jeu. Parce que vous savez que souvent, dans un livret jeu, pour guider les enfants, on cherche à avoir un parcours un peu ludique et créer un petit personnage qui va le guider finalement dans le musée. Bah, ça permet de créer un lien qui l'incite aussi à travailler avec les différents contenus pédagogiques qui sont dans ces documents. Et donc, voilà. Alors, attends, excuse-moi, est-ce que la création de ce personnage, c'était une demande du client ou c'est toi qui l'as proposé justement en réponse à cette stratégie? Non, il n'y avait pas du tout d'orientation de la part du client. La Ah, c'est cool. seule demande, c'était, bah, faut faire un livret jeu. Voilà. Ok. Il n'y avait pas de contraintes particulières. J'aurais pu faire quelque chose de très classique, entre guillemets. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une orientation particulière, leur créer un personnage sur mesure, rien que pour eux, et de donner une couleur spécifique à ce guide qui donne envie finalement de le prendre dans ses mains, participe aussi de faire la promotion de cet établissement. Bah oui, carrément, c'est bien, non? Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai créé ce perso. Et pour ça, je vais basculer sur la tablette. Hop. Allez, bon, allez, alors, je vais en profiter pendant que tu t'installes pour regarder si on a des petits commentaires. Avec Clémentine qui nous dit trop sympa ce projet. Virginie qui nous dit sublime. Ah bah, on envoie le bonjour à Franck qui nous regarde depuis Montréal. Et il doit être super tôt chez toi. Bonjour à Tony, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens du côté YouTube. Du coup, bonjour à Mickaël, Ruben, Virginie, Anthony, Damien, Séverine, bonne année à tout le monde. Et bah voilà, comme je disais en début de live, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez un compte Behance, ça nous permet de regarder vos projets aussi. Du coup, vous étiez pas mal, bonjour à Mélinda, Jamila, Jean-Loup. Ah, Jean-Loup, j'espère qu'on va te revoir bientôt sur une session. On habitué des lives aussi. Voilà. Ah. Du coup, Alors, parfait, ça y est, j'ai l'impression qu'on voit tout. donc en fait, moi j'ai travaillé sur l'application Adobe Fresco. Et en fait, la première chose, j'ai travaillé d'abord l'intérieur du livre. J'ai vraiment mis la couverture de côté. Parce que finalement, la couverture, c'est un peu ce qui synthétise tout ce qui est à l'intérieur du livre. J'ai pas commencé par ça. J'ai d'abord D'accord. voulu un peu m'imprégner de cette identité, de la mettre en page, de m'habituer avec les différents éléments graphiques, les ornements,
choses comme ça, les couleurs aussi. Et une fois que j'avais ça, bah, en fin de compte, c'était plus facile d'avoir une vision un petit peu plus globale de comment le représenter sur une couverture. Donc au départ, j'ai fait un rough, un petit croquis rapide qui ressemble à ça et qui directement mettait un peu posé les bases de ce personnage un peu, on va dire, un gentilhomme de l'époque industrielle avec le petit haut de forme, la petite Il fait redingote. très Monopoly, parce que c'est comme moi. Absolument, Moi. absolument. Ça faisait partie des inspirations, hein, le petit bonhomme. Et c'est justement ce qui a été un problème par la suite. Et on va voir justement comment j'ai travaillé à partir de ça. Donc ça, c'était la première base. Et en fait, alors moi, ma façon de travailler souvent, c'est que je pars d'un croquis rapide, je sers ensuite d'un autre calque. Donc hop, voilà, je baisse l'opacité et puis par-dessus, je viens travailler faire le contour. Alors, je ne sais pas si on va voir, mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand on travaille souvent dans des projets de communication graphique, bah, les éléments qu'on va produire, ils sont souvent exploités dans différents formats, différentes tailles, ils sont un peu triturés dans tous les sens. Et souvent, c'est important qu'il puisse pas y avoir, pas y avoir de perte de qualité. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille souvent en vectoriel, les illustrations, pouvoir les utiliser. Notamment à différentes options. Parce que finalement, tu sais pas, ça se trouve, ça va se terminer sur une affiche en 4x3. C'est ça, ça. Et des C'est un fois, peu on ne le sait pas toujours à l'avance. Puis il y a carrément. des fois des besoins qui se créent au fur et à mesure du projet. Donc je préfère verrouiller un peu ce truc-là et me dire, OK, bah, je travaille en vectoriel. Et le truc que je trouve intéressant sur Fresco, c'est que justement, il y a des brosses qui sont vectorielles et qui permettent de gérer de manière assez ludique ses pleins et ses déliés. Donc là, c'est un exemple, par exemple, avec une brosse. Alors après, bien sûr, direct, mais... Du coup, direct, là on est sur Fresco. Là, on est sur Fresco. Et en fait, avec le stylet, je vais en fait repasser... Oui, un truc qui est assez chouette, c'est que par rapport aux pleins et déliés, c'est-à-dire les différentes épaisseurs du trait, avec ce pinceau-là, c'est-à-dire que si je fais un trait un peu rapide, il va directement se terminer avec un pointe plus fine. Et si je garde en fait crayon au bout du trait, en fait, il va s'épaissir, quoi. Ce qui fait que je peux arriver à gérer comme ça, les endroits où je veux que ce soit plus fin et les endroits où je veux que ce soit un peu plus épais. Typiquement, là, par exemple, il y a un bout de la manche. Bah, je me dis, bah tiens, là, je voudrais que mon trait il finisse de manière épaisse, pouvoir boucler avec l'autre partie. Là, je veux qu'il y ait ce côté un petit peu plus fin, que la terminaison de la manche soit. C'est vrai que ça a l'air tout bête, mais en fait, c'est indispensable de comprendre ça pour avoir un contrôle sur ses brushes, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui normalement se fait de manière. Intuitive, C'est ouais. finalement le trait naturel de quand on a un pinceau. C'est-à-dire Ouais. qu'habituellement, on utilise les pinceaux. Et bah, plus on appuie sur son pinceau, plus c'est épais. Et puis plus on a un trait un petit peu plus léger, plus on a une main légère. Et plus ça, finalement, le trait est fin. Et c'est finalement ce que ça reproduit là, quoi. C'est. C'est assez intéressant, et ça, bien sûr, bah, ça, c'est une forme qui est vectorielle et que je peux gommer de façon aussi très simple, comme si c'était bah, les pinceaux Photoshop, quoi. Ouais, c'est fou, il y a vraiment si tu nous dis pas que c'est du vectoriel, en fait, on ne peut pas le savoir, quoi. Bah, c'est vrai que c'est assez. Le rendu, moi, je trouve assez satisfaisant. Et il y a un truc que je voulais faire aussi, parce qu'habituellement, ce que j'aurais fait, c'est que dans ma façon de travailler, je travaille à partir d'un croquis, et après, je vais le détourer avec des vecteurs sur Illustrator. Mais là, j'avais envie de garder l'imperfection aussi du trait. Je voulais avoir quelque chose de vectoriel, mais qui soit malgré tout pas
nickel, parfait, quoi. C'est-à-dire que si je dessinais ça à la main, forcément, le trait, c'est pas un vecteur. Donc, c'était ça qui était intéressant, c'est que je pouvais avoir l'imperfection du trait et en même temps que ça reste vectoriel et que bah, après, je peux l'exploiter à différents formes. Donc, voilà. Théo qui nous dit j'ai découvert le travail de Jean-Philippe lors de sa dernière session et c'était super intéressant. Pareil, Merci. on dirait le petit perso de Monopoly, c'est trop chouette. Et Anaïs nous dit ce qui était cool, c'est que sur Insta, Jean-Philippe nous faisait part des étapes de la créa de ce personnage. L'interaction avec la communauté était vraiment cool. Bah merci, c'est très gentil. Bah c'est vrai que j'aime bien montrer comment je travaille et aussi avoir des retours. Et je te disais tout à l'heure que la proximité avec le personnage Monopoly, c'est quelque chose que je trouvais intéressant, mais c'était aussi une référence qu'à un moment donné, on m'a fait un petit peu trop. Et je voulais pas qu'on ait l'impression que le livret jeu, il soit entre guillemets sponsorisé par Monopoly, quoi, ou qu'il y ait un lien avec la marque, ce qui pouvait être problématique. Donc j'ai fait plusieurs versions du personnage, en changeant certains éléments qui l'éloignent de ce côté personnage Monopoly. Donc la première chose, c'est par exemple de lui mettre un petit monocle, sachant que tout le monde pense que le personnage Monopoly a un monocle, alors Moi, que j'avais pas du l'impression tout. qu'il y avait un monocle, c'est fou. Oui. Mais ça, c'est un truc courant, ça a un nom d'ailleurs. Je ne sais plus comment on appelle ça quand on a l'impression, quand on a tous une image mentale, on est persuadé qu'il y a bah voilà, une marque, un personnage, je sais pas, un personnage de dessin animé ou autre, est fait comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Bon, voilà. Ça me rappelle ce jeu, tu sais, où tu dois dessiner des personnages connus de mémoire et tu te rends compte que en fait c'est l'enfer et que ça ressemble jamais. Ouais, Ok, c'est clair, il y a ça. on a une image des fois comme ça qui est mentale, qui ne correspond pas forcément à la réalité. Donc qu'est-ce que j'ai changé? Bah, son chapeau, hein, parce que c'était quand même très, très identifiant. Les lunettes, la forme de la moustache. Là, il a aussi un côté un petit peu plus cintré par rapport à sa redingote. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré ces versions-là aux gens pour avoir des retours, sur Instagram notamment. Et c'était pas un vote hein, strictement dans le sens où voilà, ce qui recueillait le plus de votes, j'allais le choisir. C'était plus pour avoir un peu un retour, un ressenti par rapport aussi à moi, ce que je voulais utiliser comme version. Et c'est finalement ce personnage-là que j'ai gardé, avec sa petite moustache un peu je sais pas, de caporal sudiste, je sais, là il y a un petit côté ça un peu western en fait. Alors, Brezel nous dit que c'est l'effet Mandela. Ah, c'est l'effet Mandela, ok, Ouais. ouais, c'est ça. Et Vanessa nous demande comment s'appelle le brush que tu utilises sur Fresco? Alors, celle que j'utilise, je suppose, pour les détourages. Bah là ouais pour le vecteur ouais. Alors en fait, sur Fresco, on a une famille de pinceaux qui sont les pinceaux vectoriels et on a des pinceaux qui sont prédéfinis. Et alors si je ne m'abuse, parce que je crois que ça a changé, là je crois que c'est le cône basique. Ouais, Sachant voilà, c'est le cône. que, alors si vous restez jusqu'à la fin de la session, tu vas nous faire un pas à pas de brush vectoriel là, qui Ouais, a voilà, l'air sur assez stylé. Illustrator. C'est une Donc je petite pense que technique, ça voilà. va répondre aux questions, ouais. Voilà, et puis bon, pour vous expliquer. Ah, les outils s'affichent pas. Ah oui, D'accord. d'accord, ok. Il n'y a que l'aperçu. Bah, Ok. ça se Donc en trouve. fait, vous verrez, en fait, il y a trois formes de pinceaux sur Fresco. Il y a les pinceaux pixelisés, il y a les dynamiques et il y a les vectoriels. En fait, dans les pinceaux vectoriels, il y a un pinceau qui s'appelle cône basique. Voilà. Ok. C'est Écoute, celui-là nickel. que j'utilise. Sachant que, bien sûr, ça, c'est les pinceaux prédéfinis et que vous pouvez gérer. Le comportement en fait des différents pinceaux. C'est-à-dire que si vous voulez que quand on appuie, ce soit beaucoup plus épais, que le côté affiné se gère voilà, un peu différemment, vous pouvez le faire. Voilà, donc si on rentre un peu hop, dans les différents détails de position, vous avez vu le croquis. Ensuite, je travaille détourage sur un calque séparé. Derrière, vous pouvez mettre les accessoires aussi séparés. Hein. Par exemple, la petite lunette, là, le petit monocle, je n'étais pas sûr de le garder.
Donc, tant qu'à faire, autant travailler sur un Oui, c'est calque. séparé. Ok. Et du coup, en fait, tu fais toute ta finalisation sur fresco d'illustration. Là, oui. Ouais, là, oui. Ouais. J'ai fait ma couleur. Tac. Ensuite, j'ai travaillé mes ombrés. Et ce qui s'est passé, donc, maintenant que je suis là, je vais rebasculer sur mon Ah, bureau tu rebascules sur. Attends, je d'illustrateur. vais en profiter pour lire les questions. Alors, j'ai une question. On peut la garder pour plus tard ou tu vois. Est-ce que les jeux ont-ils été créés par toi? Les jeux qui sont dans le livret, est-ce que tu as Non, tout créé? non, non. En Ok. fait, le client m'a donné son contenu, hein, c'est souvent comme ça. C'est Ouais. vraiment pas mon travail de créer le contenu des documents. Donc, il y avait une série de questions, il y avait les jeux. En fait, ce qu'on m'a livré, c'est un document type Word, en fait, Ouais, hein, ouais. pas du tout uniforme. Et d'ailleurs, c'est ce que je préfère, vraiment qu'on me donne quelque chose de très brut. Et derrière, moi, j'ai créé toute la mise en forme. Des fois, il y avait des choses à redécouper. Des fois, je divisais des paragraphes ou alors des titres, des choses comme ça, pour qu'on puisse se guider facilement dans. Et alors, je regarde. Non, c'est bon, je crois que j'ai tout. J'ai une petite question de Woubens qui demande quelle est la différence entre fresco et illustrator? Bah oui, tiens, je pense que c'est une bonne question comme tu bascules de l'un à l'autre tout le temps. Comment tu clarifies les étapes du process? Alors, Fresco, c'est vraiment fait pour dessin numérique sur tablette. Voilà. C'est une application vraiment qui est faite pour être utilisée au mieux avec le petit crayon, le pencil, l'iPad notamment, parce que moi je travaille sur iPad. C'est vraiment du dessin, c'est de l'illustration avec une approche traditionnelle. C'est-à-dire, on prendrait une feuille de papier, un crayon et on ferait un petit croquis comme ça à la volée. Donc c'est vraiment fait pour ça. Si on veut faire des dessins avec une texture un peu aquarellée, des choses comme ça, c'est vraiment adapté. Tandis que Illustrator, c'est du dessin qui se. Alors comment dire? Qui se base sur. C'est un dessin qui est un peu plus mathématique. Ça se base en fait sur des vecteurs. Vous voyez là par exemple, je suis sur Illustrator et j'ai décomposé mon Presque, dessin. on va dire. Pardon? Presque un dessin technique, je vais mettre des gros guillemets. Entre guillemets, voilà, Tu par vois, rapport à ouais. Fresco, oui, c'est Ouais, plus c'est ça. technique. C'est-à-dire qu'on va travailler à base de formes qui sont souvent géométriques, des vecteurs, hein, ce que j'appelle des vecteurs, ce que vous voyez là, en fait, attendez, quels sont. Ouais, donc des vecteurs à l'opposition de pixels dans Photoshop. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire En que vous fait, je voyez que viens là, des par fois de remettre exemple. un peu les bases, hein. C'est important de temps en temps. Les traits, ce sont des formes qui sont faites à partir de tangentes, etc. Enfin, moi, c'est vraiment un logiciel qui me terrifiait au départ, parce que C'est j'avais vrai? l'impression qu'il fallait avoir un esprit matheux pour gérer ce logiciel. Et en fait, aujourd'hui, c'est certainement mon logiciel préféré, parce qu'il est, je trouve, extrêmement puissant. On le maîtrise un petit peu. On peut faire vraiment aller très très loin. Et on n'est pas obligé de faire que des illustrations, c'est-à-dire qu'on peut travailler aussi la typo, la tordre dans tous les sens, si on veut Ouais. faire du travail d'enseigne, dessin de caractère, enfin voilà. Illustrator est très très adapté pour ça. Nous dit les courbes de Bézier. Bah ouais, carrément. Et voilà, les courbes de Courbes de Bézier. Bézier pour life. Tout à fait. Allez, bah du coup, C'est vrai que qu'est-ce c'est qu'on très regarde mathématique à la là? base. Alors là, donc, ce que je voulais Il vous y a montrer, plein de c'est trucs. comment, à partir du dessin que je voulais un petit peu, un peu fait à la main, un peu plus Ouais. manuel, l'importer dans Illustrator pour faire une couverture qui, là, est beaucoup plus graphique, ornementale, et qui m'a ensuite permis d'intégrer ça, hop, je vais revenir ici, de l'intégrer sur InDesign pour faire ma maquette. Simplement. C'était pour montrer en fait comment je suis parti de Fresco et comment ensuite j'ai terminé sur Illustrator. Oui, les étapes, elles sont hyper claires. Et du coup, est-ce que tu as dessiné les ornements autour ou tu as récupéré des stocks? Non. Là, ce sont effectivement des sources d'ornements. Alors, je les ai peut-être retravaillées, mais je ne les ai pas dessinées de zéro. Clairement pas, Oui, non, oui. non. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont
très spécifique. Et puis en même temps, moi, ce que je voulais, c'est que j'ai des ornements qui fassent référence à une époque bien précise. Et donc, y a des formes qui évoquent en fait cette période un peu rétro, peut-être traduire. Donc, j'ai fait des recherches. Des fois, j'ai pu les vectoriser. Ou alors, des fois, c'est des éléments hein, qu'on peut trouver sur stock, Internet, en fait. Par contre, une fois que j'avais effectivement mes éléments, je les ai travaillés de manière à ce que ce soit très souple. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous montre cette forme qui se répète, bah, je ne me suis pas amusé à faire la forme, ou à la récupérer et la dupliquer. C'est-à-dire que j'ai créé ce qu'on appelle bah, une forme Illustrator qui me permet en fait. Magnifique. Attends, comment tu as fait ça? Je pense que moi j'ai envie de savoir. Alors comment j'ai fait ça? Si les outils, est-ce que les outils s'affichent quand même sur Illustrator ou pas du tout? Oui. Là, Okay. c'est bon, on Là voit les c'est bon. palettes. Ouais. Alors je vais repartir de zéro. Hop, imaginons. Tac. Décomposer ça. Ça. Ok. Voilà. Imaginons que j'ai cette forme. Finalement, j'ai envie de l'exploiter pour faire des cadres, des coupes et tout ce que je veux. Bon bah ça va être très compliqué de me dire bon bah ça je vais la travailler Des copier-coller à en faisant l'infini. la bonne rotation. Enfin on pourrait faire Ouais, comme ça ok. mais bon voilà c'est un petit peu compliqué. Donc une façon simple si finalement d'utiliser l'outil forme. Donc je vais prendre forme quelconque en fait, hein. Je vais la glisser à l'intérieur forme et je vais lui dire bah tu vas m'en faire une forme on va dire alors y a des paramètres à gérer mais par défaut déjà à partir du moment où j'ai fait ça si je dessine une forme imaginons un carré et que je clique sur ma forme ça va automatiquement décomposer et décliner la forme dans la Ah, forme c'est génial. prédéfinie, quoi, quelque part. Wow. Donc, même chose, Du si je coup, lui dis, bah non, je veux que ce soit un rond. ouais, ou Ok. sinon, est-ce que tu peux tracer un truc à la plume et lui appliquer la forme aussi? Si, là, je l'ai choisi. Je vais prendre mon pinceau et hop, hop, hop. Oh, cool. Donc, il y a un côté quand même très magique, et c'est vraiment ce Ah, que j'adore dans Illustrator, c'est son côté très modulaire. C'est-à-dire que finalement, là, différents outils, à nous de les associer, de mettre des surcouches les uns avec les autres, pour finalement créer des formes qui sont très complexes, qu'on n'arriverait pas à faire manuellement, à moins de prendre un temps infini. Et clairement, on n'aurait jamais le budget quoi, pour faire ça, si je veux résumer. Donc, un autre exemple, imaginez à partir de ce que je vous ai montré, comment on a pu créer ce contour-là, c'est avec cette canon. forme qui se répète. Tac, 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 tac. Ah Faire des ouais, choses ok. qui sont assez complexes. C'est canon, c'est hyper bon à savoir. Ouais, merci pour les tips. D'ailleurs, si vous avez envie, je vous renvoie vers les lives de Mister Cup qui adore utiliser des éléments vintage et les réincorporer dans des nouvelles créas à lui. Et il fait ça beaucoup dans Photoshop et dans Illustrator. Si c'est le genre de truc qui vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Voilà. Donc, Super cool. bah ça c'est terminé pour livrer jeu et je voudrais vous montrer un travail qui est un petit peu similaire puisque j'ai dû réaliser le logo d'un électricien qui s'appelle Monsieur Bernard. Enfin, c'est le nom de son entreprise. Et vous voyez un peu des similitudes avec le personnage que vous avez Ah là, vu on avant. sent ta patte à mort. Voilà, on parlait de styles différents. Bon, bah là, pour le coup, il y a quand Ouais. même quelque chose d'un petit peu similaire. Par contre, j'ai travaillé de façon un petit peu différente, parce que c'est un logo et qu'un logo répond à d'autres contraintes. C'est-à-dire qu'une illustration de manière traditionnelle, on va dire, supporte un peu plus de. On n'a pas à être autant rigoureux que sur un logo. Là, pour le coup, chaque trait doit être minutieusement fait avec la bonne couleur, etc. Et donc pour Monsieur Bernard, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé de la même manière mes croquis sur fresco. Par contre, une fois que j'ai eu ce croquis-là, j'ai fait le détourage sur Illustrator. Et là, vous allez voir que la technique est un petit peu différente. C'est-à-dire Okay. que le résultat
a aussi des pleins et des déliés, c'est-à-dire des parties plus larges et d'autres fines, ce qui fait que ça donne dynamisme en fait hein, au trait. Mais j'ai travaillé cette fois-ci pas du tout avec le crayon iPad, mais j'ai travaillé à partir de vecteurs. Et donc, Okay. comment on fait pour avoir des traits qui sont épais et d'autres même courbe, des parties épaisses et des parties fines, je vais y arriver. Bah pour ça, en fait, on utilise un outil qui s'appelle l'outil largeur. Donc, imaginons, hop là, ça, on va mettre une épaisseur, par exemple 5. Cet outil qui est là, largeur, et qui va me permettre en fait de définir des endroits où mon trait sera plus fin et d'autres parties où il sera plus épais en fait. Créant des points. Par exemple, je vais Donc créer un c'est point toi qui ici. crées Tac. après en fait. C'est pas au moment où tu dessines. Alors, en fait, c'est la. Dans quel ordre il faut faire ça? Donc là, je vous ai expliqué le principe de base. Par Ouais. contre, je ne vais pas m'amuser à faire mon dessin. Vous voyez qu'en fait, ici, le trait, bah, il a toujours la même épaisseur. C'est toujours un tracé sur lequel va Ouais. s'appliquer une couche de différentes épaisseurs, quoi. Ouais. Mais ça serait très compliqué de le faire après coup. C'est-à-dire Manuellement, de dire, bah tiens, je vais prendre chaque personnage comme ça. Et derrière d'appliquer les épaisseurs, parce que ça manquerait de naturel en fait. Donc en fait, le truc, c'est plutôt d'aller créer mes différents types de formes de largeur, on va dire. Et en fait, ces formes-là, c'est des formes de base qui vont me permettre ensuite de choisir en fonction de tel trait, quel comportement je veux qu'il ait en termes de largeur et en termes de largeur et de finesse. Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire qui prenons par exemple ce trait-là, vous voyez, cette partie du dessin. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il soit épais sur la partie droite et qu'il finisse de manière un petit peu plus fine. Ça, je vais sélectionner le trait et ensuite, avec l'outil pipette qui va reproduire et copier en fait le style d'un trait, je vais lui dire bah en fait tu vas me dupliquer telle mise en forme. Typiquement, si je lui dis bah je prends lui, hop, vous voyez que le trait se change. Rapprocher, peut-être sera plus clair, voilà. Si je prends Tiens, est-ce lui que tu pourrais nous montrer ça sur un trait tout neuf? Comme ça, parce que je sur un pense que trait. comme Ah ouais, tout à fait. il Alors est voilà, déjà donc nickel, là, on hop, a du mal à voir, on part mais de ce trait. je Donc savais pas j'ai qu'on en pouvait fait faire cette... Ah, voilà. ça. Ok, donc toi, quand tu dessines, ça ressemble à ça. À la base, oui. Et ensuite, je lui dis, bah, je vais appliquer mes différentes épaisseurs. Donc là, typiquement, je teste. Je lui dis, bah, tiens, celui-là, non, il ne marche pas. Ce n'est pas exactement celui que je veux sur celui-là. Alors, je précise que cette technique-là, cette méthode, je m'inspire d'un artiste illustrateur qui s'appelle Mighty Short, notamment sur Instagram, et qui travaille comme ça. Et du coup, c'est de sa technique, en fait. Je m'inspire pour faire ça. Voilà. C'est génial. En fait, C'est c'est voilà, si comme vous si aimez. c'était une palette de couleurs, sauf que c'est une palette d'épaisseur de trait, quoi. Ouais, voilà. Et c'est là où je dis qu'en fait, Illustrator permet d'utiliser les outils de sa propre manière. C'est-à-dire que il n'y a pas le guide Adobe Illustrator qui vous explique qu'il faut utiliser l'outil largeur comme ça. C'est une manière en fait de dupliquer la pipette avec l'outil largeur adapté à une technique, style de dessin. On va utiliser. Manière, mais celle-là, c'est une qui me allait bien en fait. Carrément. Non, c'est hyper cool. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire pipette sur des épaisseurs. Voilà. Je Voilà, prends ouais, la tout. pipette, ce n'est pas que pour les couleurs, c'est aussi pour les styles de et les en fait tout ce qui concerne l'aspect en fait dans D'accord. Illustrator. Ok. Et Voilà. bah écoute, c'est génial. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, la forme, je l'ai donc nettoyé et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une forme qui permet en fait de mettre en couleur l'illustration avec l'outil, hop là, j'oublie le nom, voilà, de pot de peinture dynamique. En fait, le pot de peinture dynamique
Imaginons que j'ai une forme avec des traits qui se coupent, comme ça. Je vais prendre l'outil peinture dynamique et en fait, il va automatiquement me repérer les intersections. Ok. Ce qui fait que pour mettre en couleur un dessin, forcément, c'est bien pratique, puisque on aura juste à cliquer sur les espaces entre les formes pour pouvoir mettre en couleur. C'est Alors, comme j'ai des ça que j'ai petites appliqué la questions couleur sur ici. cette technique de brush incroyable là. Oui. Il y a Xavier qui demande, est-ce que l'outil largeur s'intègre au style de calque dans Illustrator? Est-ce que ça s'intègre au style? Alors, c'est un style. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que si par exemple je fais un trait avec cette forme d'outil largeur et que je la mets, enfin, ça fait partie de ce qu'on appelle l'aspect. Et d'ailleurs, ces différents styles de largeur, on peut les mettre en mémoire et les retrouver ensuite dans une fenêtre qui est ici en fait. Et là, vous voyez que je retrouve les différents styles de largeur. Donc ça, c'est toi qui les as créés finalement. Allez, il y en a par défaut. En fait, Il y en a Illustrator par en a un défaut certain et tu nombre peux par défaut, rajouter. et il y en a d'autres que j'ai rajoutés qui sont ceux que j'ai personnalisés. Trop cool. Et bah du coup, j'ai une autre question. On a ouvert la boîte de Pandore avec Ah ouais, là, j'ai la l'impression. question. Ouais, je te préviens. Ticonio nous dit le problème de l'outil largeur, c'est que si vous rajoutez des points sur votre tracé, ou que vous le prolongez, ça modifie la position des largeurs sur votre tracé. Est-ce que tu as une astuce pour éviter ça? Bah alors, je dirais qu'il faut vraiment le penser de manière globale, c'est-à-dire qu'il vaut mieux terminer son trait avant d'appliquer la largeur. Sinon, en général, par exemple, ce qui se passe, c'est que, imaginons que ce trait-là, j'ai envie de le prolonger. Hop. Crayon. Donc j'ai prolongé ma forme. C'est logique en fait que le comportement du trait reste le même proportionnellement en fait à la longueur du trait. Donc c'est normal que si je continue le trait, le côté fin soit plutôt toujours au prolongement à l'extrémité de mon trait. Donc après que ça modifie les largeurs, je ne sais pas exactement dans quel sens. Il l'entend. Après, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est que vous voyez que là, mon trait, comme je l'ai prolongé, ça a rajouté des points. On peut très bien affiner ce trait-là, limiter le nombre de points. Ça, on va dans en fait objet, tracé, et on peut faire simplifier. Et là, vous voyez que ça m'a enlevé des points. Je ne sais pas si on l'a vu. Voilà, là, je suis à 14 points. Et si par exemple, je sur la gauche, on voit en fait que ça a affiné ma forme, au risque des fois de complètement s'éloigner de la forme d'origine. Hein. Mais je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas ça peut permettre des fois d'enlever des points sur sa forme. Alors attends, Melinda nous dit cette technique est top. Il y a Sketchup Mayo qui nous dit la pipette peut aussi s'utiliser pour copier une police sur une autre. Ouais, ça, je m'en sers tout le y a, allez, alors Alexandra nous parle de l'outil Dynamic Sketch qui est un peu cher. Je pense que c'est un plugin du coup, mais assez intuitif pour dessiner sur Illustrator. Est-ce que tu connais un petit plugin? Pas du tout. Bah, écoute, Non, je connais pas. ça a l'air super bien. Voilà. Ouais, il a dit que ça permet de gagner du temps. Bah, écoute, on ira jeter un œil. Ok, bah ouais, carrément. Allez, je crois que c'est bon. Si j'ai raté un truc, criez-moi dessus sur le chat. Voilà. Mais sinon, voilà, je te laisse avancer. Je vois que le temps passe et qu'on a plein de trucs à voir. Ok, donc alors là, après, je suis passé à la phase couleur. Différents tests de couleurs, forcément. Et celles qui correspondaient le mieux à ce que je voulais proposer à mon client. Pour la technique de couleur, bah, en fait, c'est un petit peu comme ce que j'ai fait pour le livret-jeu, c'est-à-dire qu'il y a la couleur de base. Okay. Ensuite, par-dessus, je mets ma teinte dorée. En général, alors c'est pas toujours ça que je fais, mais là, en général, c'est prendre la même couleur et de la mettre en produit.
Ok. Et ensuite, faire la même chose avec la lumière, c'est de prendre la même couleur, mais de la mettre en... Là. C'est Luminosité ou jamais... Non, c'est... soustraction. Ah bah soustraction, si c'est produit, c'est soustraction. Alors, c'est... Est-ce que c'est... Non, c'est... C'est jamais... C'est... Ça, hein. C'est cool comme si, parce que du coup tu. Ah oui, voilà, c'est superposition en fait. Chaque fois, je vous. Superposition. Oui, comme ça tu restes dans une palette qui est cohérente. Et ben, l'avantage de ça, c'est que si par exemple j'ai envie de changer de couleur, j'ai pas à le faire 3 fois. Par exemple, si je veux changer juste Okay. mon rouge, je sélectionne mon rouge, je mets une autre couleur et ça va appliquer mon style de partout. Ça, c'est plutôt cool. On est content, hein? Ouais. Voilà, donc ça c'est l'avantage en fait. Plutôt que de choisir 3 couleurs différentes, je serai obligé de faire 3 sélections. Ça, c'est ce qui permet aussi de gagner du temps, d'être efficace et des fois d'aller un petit peu plus loin pour son client, quoi. Pas, c'est pas perdre son temps, mais de passer trop de temps sur le process. C'est-à-dire que quand à un moment donné, on maîtrise bien, et ben, on peut poser d'autres choses d'un point de vue créatif. Bah, c'est ça, et puis même s'il te fait des retours qu'il veut changer 1000 fois la couleur, en fait, finalement, c'est pas un problème, quoi. Ouais, alors ça aussi c'est super important. Ça c'est super important, effectivement. J'essaye toujours de travailler de façon à ce que les corrections soient simples. Voilà. Sinon, c'est vrai que des fois, faut faire et que c'est un vrai casse-tête. Alors ensuite, j'avais des petites références aussi. Donc, vous voyez Ouais. ce petit électricien, j'ai été un petit peu des fois regarder ce qui se faisait, comment c'était travaillé. J'ai travaillé plusieurs tests de typo. Après, j'ai placé sur mon personnage de différentes manières. Là, il y a un peu écusson, il y avait des éléments qui rappelaient un peu le cité, toujours quand même dans le rétro, mais différentes formes de rétro. Et au final, la version préconisais et qui a été retenue, c'est celle-là en fait. C'est celle qui exploite graphie proche. Type voilà, de lettering en fait, et qui rappelle ce côté fait main. Monsieur Bernard, l'idée c'était aussi de valoriser petit artisan qui bosse bien. Voilà, c'est-à-dire que cette mise en avant un peu ludique, un peu jovial, de proximité. Si on était un peu dans le passé, quoi. Non, Un c'est hyper passé cool. Et du coup, moderne. ils ont choisi celui que tu leur avais conseillé de prendre. En général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Peut-être parce que dans ma façon de le présenter, je sais pas. Non, disons que c'est honnêtement, c'est assez rare que je montre les différentes versions sur lesquelles je travaille. Ouais. C'est très très rare, c'est rarissime. Je vais en général plutôt plein de pistes différentes, les laisser reposer, les tester, réfléchir aussi et leur mettre en parallèle avec le brief, les objectifs, et derrière préconiser en fait la version ouais, la plus pertinente. Et en général, ça se passe toujours très bien. Toujours Ok. très bien reçu. Moi, j'adore voir les fichiers Illustrator bordéliques des créas, parce que tu vois, j'ai l'impression de rentrer dans le cerveau et dans la manière de penser. C'est tellement cool. Ouais, c'est vrai que j'ai souvent. Alors, je m'écarte jusqu'à arriver au bord des fois de mon Oui, c'est ça. Non, mais Illustrator. c'est pareil. C'est génial de voir ça. J'adore de voir comment tu es arrivé au résultat et on voit le cheminement. C'est trop cool. C'est vraiment le dossier de travail entre quasiment apparemment au client. Tiens, d'ailleurs, c'était Thomas Slater. Je connecte mes neurones en même temps. Thomas Slater qui nous avait montré un Illustrator, un fichier de l'espace qui était 50 fois plus chargé que celui-là. Franchement, c'était hyper intéressant aussi. Allez voir, c'était super bien. Et bah écoute, ça avance. Je crois que tu voulais nous parler encore d'un projet. Voilà, d'un dernier projet, parce que l'idée c'était Allez. d'être sur l'illustration, d'être un peu sur une thématique illustration. Donc je vais vous Moi, c'est montrer un autre travail où là pour le coup il y a zéro vectoriel. Un style qui est Non. assez différent Ouais. et que je vais vous repartager mon écran.
Faire copie d'écran. Alors, est-ce qu'il va voir? Gérald qui nous dit super boulot. Ah tiens, il y a Gérald d'ailleurs qui nous partage un petit tips à noter. Il nous dit pour éviter de faire une sélection sur une couleur, on peut déjà avant la mettre en couleur globale. Comme ça, il suffit de venir changer les valeurs dans le nuancier. Ouais, tout à fait. Bon. Ça aussi, ça fait partie des petites méthodes qui permettent de gagner un temps fou. Couleur globale, ouais, hop. C'est quelque chose finalement qui est hérité de design, ça, à la base. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Alors, on est au retour sur l'iPad. C'est tout noir. Okay. C'est tout noir. Ok. Tranquille, t'inquiète. Alors, ok. C'est hyper intéressant de voir ton process. C'est marrant de voir un process d'illustrateur travailler comme un graphiste, tu vois. Je vois vraiment... Oui, oui, oui. Quand tu définis graphiste, je comprends pourquoi. C'est oui, oui, c'est vrai que j'aborde vraiment mon travail d'illustrateur pas comme un graphiste, parce qu'au final, il y a des contraintes qui sont liées au projet, qui demandent d'être plus de moins travailler l'illustration comme quelque chose de fini qui ne bougera pas, en fait. L'illustration, des fois, elle doit pouvoir se découper, on doit pouvoir prendre des éléments sur des sites internet, pour mettre des petits à tel endroit, etc. Donc c'est vrai que c'est une autre façon de penser le travail. Est-ce que là c'est bon ou pas? Alors je vois un petit message de Alex. Essaye de partager l'iPad directement via AirPlay depuis Zoom. Ouais, c'est ce qu'on fait. Alors on essaie. Ça marchait tout à l'heure. Attends, pendant que tu essayes de résoudre ça, je vous laisse gérer la technique. Je vais faire un petit sondage. Le sondage de la journée. Bah, du coup, je sais qu'on a pas mal d'illustrateurs qui nous suivent parce qu'ils travaillent plutôt comme... vous vous sentez plutôt graphiste ou vraiment illustrateur? Est-ce que vous sentez vraiment la différence ou c'est un ping-pong entre les deux? Voilà, je suis curieuse. C'est écrit que tu as commencé le partage d'écran, mais on le voit pas. Ouais, parce qu'il veut pas. Je sais pas pourquoi. Des fois, il veut, des fois, il veut pas. C'est pas grave, on trouvera... solution. Oh, non, t'inquiète, je... Alors, hop. Clémentine nous dit, en édition, modifier les couleurs de l'illustration. C'est une sorte de teinte saturation version Illustrator et c'est très très pratique. Ah bon, on le note. Ah si, ça doit être bon là. Ah c'est bon, ça y est. Voilà. Super. Mince, je voulais vous montrer autre chose avant, mais alors, on va aller sur le web. Merci Jean-Philippe pour le One Week Drawing. Avec plaisir. One Week Drawing, c'est un groupe de dessins que j'anime sur Discord pour les personnes qui veulent dessiner professionnellement ou non. D'ailleurs, c'est beaucoup plus pour se faire plaisir, le loisir, tous les gens qui n'osent pas se lancer en fait et qui ont un peu un blocage sur le dessin. Moi j'anime en fait ce groupe et c'est sur le Discord. Je pourrais vous poster le lien d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, vous pouvez venir nous rejoindre. Il y a vraiment de tous les niveaux, c'est hyper bienveillant. Et en général, tous les gens qui se sont inscrits, qui se sont lancés, sont très contents ouais, de dessiner régulièrement. Donc, c'est une bonne idée. Alors, donc, on verra quoi. On a 10 minutes. Donc, c'est un travail, ce sont des illustrations que j'ai faites pour donc ce site. J'ai travaillé en association avec Anthony Legrand, qui lui est graphiste également et qui a travaillé sur toute l'identité. Donc, c'est lui qui a mis en place un peu l'aspect qu'aurait le site. Et moi, j'ai travaillé sur les visuels illustrés. Et donc un petit peu le background de ce travail-là, c'est que donc Merakoi, c'est une société qui met en relation des groupes de patients atteints de maladies avec des sociétés dans le domaine de la santé, pharmaceutique, les entreprises qui créent des médicaments, etc., pour qu'ils aient des retours d'âgés, en fait. Okay. Pour qu'ils puissent avoir, pour qu'ils puissent vraiment faire trouver des solutions qui soient en accord avec eux. Et dans le domaine médical,
C'est jamais très fun, les identités. C'est toujours, bah pour le coup, ce qu'on appelle médical, c'est pas pour rien. C'est que c'est souvent très froid, très blanc, très aseptisé. Blanc, vert, mur d'hôpital, ouais. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'était de trancher avec cette image-là, par quelque chose vraiment d'assez différent. Et donc, voilà pourquoi, moi, de mon côté, j'ai travaillé plutôt à partir de textures. Sur du vectoriel en fait. Donc faire ça, hop là. Et pour tout vous dire en fait, c'est un des premiers bouts que j'ai fait en intégrant l'iPad à mes projets. Et ça m'a vraiment libéré parce que le côté vectoriel, c'est aussi très rassurant. On sait que on peut revenir en arrière, on peut maîtriser absolument tous les aspects de sa courbe, de ses couleurs. Enfin voilà, c'est comme je disais, c'est un peu une vision un peu mathématique du dessin. Le Et du coup, c'est contrôle. aussi rassurant. Voilà, c'est le contrôle, quoi. Et là, travailler sur tablette, bah, ça permet de lâcher un petit peu plus son trait, d'accepter les erreurs, les imperfections, ce qui donne aussi de la qualité finalement à son travail. Et donc, bah, voilà ce que j'ai fait pour Meracoï. Donc, le départ, c'est toujours à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire que je fais un petit croquis, hop là. C'est hyper cool, hein. Ouais, t'attaques directement le croquis sur ta bête. Là, oui. J'avais fait une recherche des personnages parce qu'il y a 5 ou 6 personnages récurrents qui reviennent souvent sur le site, qui ont des physiques un peu différents. L'idée, c'était aussi de montrer ben, voilà, une diversité. Chez tous ces personnages en fait qui représentent finalement les différents patients et de pas non plus les montrer en les stigmatisant genre tomber dans des choses comme ça parce que finalement la plupart des gens malades on sait pas qu'ils le sont en fait ça se voit c'est pas marqué sur leur visage donc l'idée c'était de les faire bah, comme n'importe qui mais avec un traitement qui s'éloigne de la réalité notamment au niveau des couleurs. Hop, c'est pour ça qu'on retrouve bah, des couleurs qui sont liées à l'identité, pas voilà, faire des teintes traditionnelles. Ce qui était intéressant en fait sur ce travail, comme je l'expliquais, c'est vraiment tout ce qui est lié à la texture. Comment moi j'ai pu travailler de manière quand même, alors quand même. Graphique, hein, parce que je reste quand même un graphiste, donc avec 1 million de calques, bien sûr, pour pouvoir revenir en arrière facilement. Donc, si je décompose ce petit personnage, donc il y avait d'abord ma forme, qui est en fait dessinée à partir du rough, hein, qui était là. Voilà, donc je plaçais dessus. Ensuite, hop, je venais mettre les ombrés. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai utilisé des brosses, je regarde l'heure quand même, T'inquiète, je regarde, on est qui bien. permettent, hop là, de créer un grain intéressant. Par exemple, celui-là, hop, si je reviens en arrière, ce qui est. Je regarde mon petit sondage là, si les gens étaient plus du côté illustrateur et graphiste, j'ai l'impression que tout le monde est un peu ping-pong, il y a un pourcentage. Alors attends, on a des illustrateurs, ça dépend des clients. Je suis moins illustrateur quand je fais du brand. Je ne suis qu'illustratrice, il y a un peu de tout. Et Mickaël qui dit que ton groupe, ça pousse à dessiner régulièrement. Illustratrice à 70%, graphiste à 30%. Moi, j'ai une question. Pour tes clients, comment tu arrives à argumenter, tu vois, à les convaincre de créer une illustration sur mesure plutôt que de choisir, par exemple, une image de stock, des images de stock? Comment on arrive à les convaincre? Eh ben, en fait, on leur montre des exemples, simplement, d'identités existantes. On leur montre comment ça peut aussi les aider à se démarquer. Les clients qui viennent me voir connaissent aussi des références de projets que je montre. Finalement, ils viennent aussi un petit peu pour ça. Donc, je ne voulais pas forcément m'enfermer là-dedans, moi, au départ, parce que je considère que l'illustration n'est pas une réponse à tout. Des fois, la photo, ça sera
pertinent et je leur explique pourquoi. Mais après, si l'illustration a sa place, je le fais maintenant avec plaisir et je dirais que de plus en plus, j'assume ce côté graphiste illustrateur. Et c'est assez récent, en fin de compte. Ok, ouais, c'est cool. Voilà. Ben là, j'étais en train de montrer comment je plaçais de la texture sur la forme. Voilà. Et finalement, le style se crée un peu naturellement. Là, on peut voir aussi que j'ai rajouté une texture blanche, qui est en fait l'équivalent des petites accroches de lumière sur les volumes. Et je ne l'ai pas du tout traité de la même manière que Monsieur Bernard, en fait. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus brut. Des fois, ça dépasse un petit peu. C'était ça que je voulais vraiment ressentir, quoi. C'était ce côté beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus spontané. Et c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus Amerakois et qui régulièrement, encore aujourd'hui, les clients leur disent que bah, ils trouvent leur identité vraiment marquante et on les reconnaît. C'est hyper cool. Et du coup, est-ce que... Attends, j'avais une question. Oui. Comme du coup, tu fais beaucoup de... Ah, je perds mes mots, désolée. Comme tu t'occupes de pas mal d'étapes dans le projet, en fait, dans la direction artistique, tu passes combien de temps sur les projets? C'est des gros boulots, comment tu gères ça? Et oui, ça me prend. Alors, je sais pas si ça me prend plusieurs semaines en général. Ouais, c'est bien, c'est ça, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des projets qui sont assez globaux. C'est pas, on vient pas me voir pour que je fournisse un logo, une illustration qui va être exploitée pour, je sais pas, une équipe ou une agence par exemple Ouais. qui va travailler sur une campagne de com. Ils ont besoin d'un illustrateur pour faire une affiche, une illustration, et puis en fait, ils. Il n'y a plus du tout rien sur le projet. Ouais. Moi, je vais travailler vraiment sur le suivi avec mes clients. Je suis en fait leur interlocuteur, souvent principal. Et ce qui n'est pas toujours. Ça change de plus en plus. Mais c'est vrai que souvent, les clients se disent, bon, bah, si c'est le créatif, c'est pas lui, entre guillemets, qui va me conseiller ou m'accompagner. Parce que souvent, on fait la scission, enfin, on fait la scission entre les deux. Je pense que dans la, enfin, je sais pas, dans la photo, ça marche aussi un petit peu, peut-être comme ça avec les photographes, où on imagine le photographe comme quelqu'un qui va produire l'image, mais pas forcément comme celui qui peut aussi conseiller la photo, ça en, je sais pas si c'est quelque chose que voilà, que Oui, tu qui te parle, mais en tout cas aujourd'hui en moins, et les gens, c'est vrai, viennent me voir pour l'aspect global. Et après, le résultat visuel, c'est quelque chose qui vient qu'après, qui vient qu'à la fin. Et je crée quelque chose qui est vraiment sur mesure pour chaque client, avec forcément quand même une petite patte. carrément, bah, on en parlait sur un live avec, alors je sais plus qui, mais peut-être que Alex va pouvoir m'aider, que justement inclure, pas être juste, je vais mettre juste, mais des gros guillemets, hein, juste graphiste ou juste illustrateur, mais inclure en fait toute la stratégie pour une marque, c'est vraiment un bon moyen de se démarquer. Et puis maintenant, c'est ce qui est de plus en plus demandé en fait, c'est ce vers quoi on tend au lieu de juste créer un logo en fait. C'est vrai que maintenant, on apporte vraiment plus des pistes de réflexion et des choses comme ça. On en avait parlé un vendredi. Il me semble que c'était Studio Boulaé ou quelqu'un comme ça. C'était hyper chouette. Franchement, je vous conseille. Je pense que ça devient indispensable d'être conseil, stratégie et tout. Et c'est hyper cool. Alors, si ça vous plaît, comme d'hab. Hein. Faites aussi vous Voilà. rencontrer les gens. Hein. C'est Ouais. ça. C'est pas non plus. Je sais qu'il y en a, ça les intéresse pas trop non plus cet Non, ouais. aspect-là. Mais c'est vrai que si on aime ça et qu'on a vraiment cette formation de création à la base, c'est important de le mettre en avant, quoi, parce que ça permet d'aller aussi plus loin dans son travail. C'est pas les autres qui vont vous dire ce qu'il faut faire. C'est vous qui allez le proposer avec votre expérience. Discussion avec le client et de faire valoir ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très gratifiant au final dans son travail. Et même, on avait reçu des créas justement qui nous disaient qu'ils facturaient la stratégie à part.
Et donc, ça avait déjà de la valeur, en fait, le conseil et le fait de guider les clients, même si après, ça foire à une étape, en fait, ce temps que vous avez passé avec eux, bah, il avait déjà énormément de valeur. Donc, voilà, on va vous retrouver les liens, mais c'était des sessions qui étaient cool, là. Les vendredis business de l'année dernière. Voilà. Bon, écoute, on arrive doucement à la fin. Donc, je te laisse terminer en express, si tu avais encore des choses à nous dire. Écoute, non, non, j'ai fait le tour. Bon, il y aurait effectivement encore plein d'autres choses à montrer, mais en tout cas, voilà, je vous ai montré ce que je voulais. Et j'espère que c'était que ça a plu, que ça a intéressé. Et puis si après vous avez des questions ou pas, bah, vous pouvez me retrouver. Ah oui, il y a une chose que je voulais dire, c'est que par rapport au dessin sur tablette, j'ai lancé une formation sur les logiciels de dessin en fait, tablette, notamment bah, sur iPad, où justement j'apprends à mes apprenants, aux stagiaires, comment on arrive à exploiter les différents logiciels pour pouvoir travailler l'illustration que je vous ai montrée. Si vous voulez plus d'informations, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez un peu voilà, apprendre à dessiner en numérique sur tablette, infos sur mon Instagram. Ah, carrément, écoute, on a partagé tes liens, on a partagé ton Discord. On va aussi vous partager le nôtre parce que, quand même, il y a le Discord de Adobe France. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On remet. C'est sur le Discord si vous ratez le direct. En fait, c'est là où on poste aussi tous les liens des sessions précédentes. Donc, si vous avez raté des liens comme ça, vous pourrez les retrouver sur le Discord. Et puis voilà, écoute, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Un gros mot de la fin, tu vois, c'est pas difficile. Ah, tu me prends là froid. Non, bah écoute, j'ai envie, oui, si de dire peut-être à tous les gens qui ont envie de dessiner, mais qui remettent toujours ça à plus tard, et ben de se lancer, de prendre un petit bout de papier, un crayon, de dessiner ce qu'ils ont envie, ce qu'ils voient, voilà, leur famille, leur compagne, leur compagnon, enfin voilà, mais voilà, tout simplement de se lancer. S'ils n'ont pas envie de montrer leur travail tout de suite parce qu'ils ne se sentent pas, bah, c'est pas grave, le faites pas. Mais si vous avez envie de le faire, bah, allez-y, parce que c'est vrai que c'est agréable et puis c'est quelque chose qui permet aussi de s'exprimer de manière. Carrément. Tiens, moi j'ai une question par rapport à ça. Comment on dépasse cette peur de bah tiens, j'ai trop envie de dessiner, mais en fait, il y a là, j'arrive pas à faire le résultat que j'ai en tête. Comment on dépasse, alors déjà, il y a deux Ouais. choses, c'est comment on dépasse sa peur de dessiner. Ouais, c'est ça. Ben, je crois que c'est vrai que c'est pas facile forcément pour tout le monde. Je pense que d'être entouré de gens bienveillants, ça peut aider. Voilà. De le faire avec d'autres aussi, ça peut aider, de ne pas se sentir tout seul, d'être avec des gens où on a l'impression qu'elles ont un peu la même expérience, le même niveau, entre guillemets. Voilà, des fois ça peut aider. Et puis après, ne pas arriver à dessiner ce qu'on veut au départ, c'est tout à fait normal. Et ça, il faut l'accepter. Il y a ce qu'on appelle en fait le gap, c'est-à-dire l'écart entre la culture graphique et visuelle qu'on a et les compétences en fait techniques Monte moins vite. qui monte, voilà, pas de la même manière, et ça peut Ouais. être très très frustrant. Et je veux dire, si ça peut vous rassurer, ça arrive à tout le monde, même à ceux qui ont 10 ans d'expérience, ceux qui sont professionnels ou ceux qui sont amateurs souffrent toujours, sont susceptibles de souffrir de ce truc-là. Et les réseaux sociaux n'aident pas du tout à s'extraire de ce truc-là. Donc déjà de se dire que c'est tout à fait normal et qu'avec le temps, de la patience, les choses évoluent, ça aide. Et autre petite astuce, c'est de ne pas comparer son travail avec ce que font les autres, mais plutôt comparer à ce qu'on faisait avant. Voilà. Ouais. Ce qu'il faut, c'est regarder le travail qu'on faisait les années précédentes et voir la progression. Et là, on s'en rend compte. Chose qu'on ne fait pas toujours. Et si vous faites ça, déjà, ça vous aidera à prendre un petit peu plus confiance Et bah écoute, il était bien ce mot de la fin. en vous. Voilà, merci. Et bah merci, c'était hyper cool. Je regarde, on a des petits messages, Virginie qui nous dit merci, c'était très intéressant. Je note pour le groupe Discord et la formation. C'est vraiment top cette démarche. Merci pour cette session. Je serai présente aux suivantes. Oui!
Clémentine, tu me dis, ça m'a bien tenu compagnie en bossant. Eh bah, trop cool. Eh bah, moi, je vous laisse pas partir tout de suite. Vous savez qu'il y a toute la semaine encore et qu'on est là pour vous envoyer des bonnes ondes et vous aider à créer des trucs. J'espère vous accompagner dans votre vie de créative quotidienne. C'est pas toujours facile, mais j'espère qu'on est là pour vous apporter des bonnes vibes. Demain, du coup, on parlera motion design avec Marine DLRSA, qui était hyper cool, qu'on avait reçue il y a quelques temps. Mercredi, c'est une grosse session. Je suis un petit peu envieuse. Je vous l'avouerai que c'est Franck qui la récupère. Et on va recevoir Vincent, qui est en fait lettreur et qui a bossé sur le dernier film de. J'oublie toujours son nom, mais qui faisait les grosses enseignes et tout. Enfin, il y a très peu de ce métier en France, donc ça va être hyper cool. On va parler lettrage, typo. Et puis voilà, un petit all about Photoshop. Photoshop, je le dis. Et Ask Pro vendredi, donc on terminera tranquillou avec plus de techniques. Voilà, on a un petit peu inversé de planning. Mais bon, comme d'habitude, tous les jours. Et puis voilà, bah, merci JP, c'était hyper cool. Merci beaucoup. Merci à tous, je vous envoie plein de petits bisous si vous en voulez bien. Et puis, bah, passez une bonne semaine. Moi, je vous retrouve demain. Au revoir tout le monde.